Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ouvrir la première box de ce mois de février. Et c'est du coup, comme d'habitude, la Birchbox. Et elle est super mignonne ce mois-ci, du coup, février, Saint-Valentin. Toutes les box seront, je pense, aux couleurs de l'amour. Et on a bien ça, du coup, dans des tons rouge, pêche, avec des petits cœurs. Enfin bref, elle est super jolie. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On a un code pour Cheers. C'est le site internet d'impression de photos. Et là, on a un petit code qui nous offre 5 bandelettes photo cabine. Vous savez, je vous mettrai un exemple ici plutôt. Voilà. Je trouve ça trop chouette parce que j'ai jamais imprimé dans ce format-là. Donc voilà, donc c'est super cool. Et ensuite, on a nos produits qui vont se casser la figure. Allez, j'attaque avec ce petit produit-là qui est un blush baume à lèvres. Je vous cache pas que j'ai horreur de ces produits. De ce genre de produit en tout cas. Bon, en revanche, pour le thème, voilà, on a bisou, un petit cœur, tout rouge, enfin bref. On est bien dans le thème, on a un petit cœur même sur le dessus. Et c'est, oui, un gros chubby stick, comme ça, qui se rétracte. Alors, en baume à lèvres, pourquoi pas? Il est coloré, il faut voir ce que ça donne. Et en blush, comme je vous ai déjà dit, je suis pas ultra fan de ce genre de format-là pour les blushs et tout ça. Mais bon, à essayer, pourquoi pas. Ensuite, on a un produit que je connais de la marque Amika, qui est un produit pour les cheveux. Et c'est le masque nourrissant. On a une miniature de 20 ml, donc dans un tube. Pour un masque, je vous cache pas que là, il y aura deux utilisations. Pas plus. Mais bon, j'ai déjà testé ce produit. Il est super chouette. Pour les cheveux abîmés, c'est génial. Donc voilà, donc je suis contente. C'est un produit que je connais, c'est un produit que j'aime. Donc voilà, je savais même pas que Birchbox était partenaire avec Amika, du coup voilà. Ensuite, on a un produit Polar. Voilà. Eux, par contre, on sait qu'ils sont partenaires avec Birchbox, puisque tous les deux mois, on a un produit Polar. Et là, on a la crème de nuit revitalisante nuit polaire aux algues boréales. On a une miniature de 25 ml. Et j'ai déjà eu cette crème dans la Birchbox. Alors, Dieu merci, c'est pas la crème neige éternelle ou je sais pas quoi, là, qui sent les pieds. J'ai cru que c'était ça, première vue, j'ai fait non. Et en fait non, c'est nuit polaire, c'est une crème de nuit. Donc que j'ai déjà eu, que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà terminé. Excusez-moi. Je l'ai pas mal aimée, elle est plutôt chouette. Voilà, après bon, c'est pas une découverte du coup, hein, Birchbox. Renouvelez-vous s'il vous plaît. Enfin voilà. Ensuite, on a un gros tube de 45 ml de la marque Bioderma. Et c'est une crème pour le corps. Oui, j'ai une nouvelle folie de crème pour le corps en fait. Je commence à en mettre tout simplement. Donc voilà, donc là je suis en train d'utiliser le beurre pour le corps de chez Granado qui sent super bon. Mais qui est hyper épais. Donc j'en ai encore un petit peu pour un petit moment. Mais c'est vrai qu'il est très très épais. Et voilà, j'ai fini une crème de chez Villa Botania que j'ai adorée. Et là, j'ai encore la crème de chez Palmer's au beurre de coco, mais que je trouve que l'odeur est un peu... voilà. Donc je suis très contente de pouvoir essayer celle-là pour peau sensible, très sèche, irritée, atopique, ultra apaisant. Donc c'est parfait. Moi, j'ai des plaques de sécheresse des fois sur les bras. Donc ce sera parfait à essayer. C'est un bon format en plus pour une crème pour le corps. C'est génial. Donc ça, je suis contente. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et enfin, dernier produit, on a une petite éponge pour nettoyer le visage. Je coupe pour ouvrir le paquet, sinon ça va... voilà. Voilà, alors à quoi ça ressemble? C'est... alors déjà, il y a des poils qui se barrent partout. Hein. C'est ultra léger. On a l'impression que c'est... ouais, c'est de la mousse. Bref, c'est un truc qu'on mouille, on frotte le visage doucement, ça l'exfolie en douceur. Et ils disent de le remplacer donc tous les 60 jours, donc tous les 2 mois. Mais là, comme ça, vu comme ça, j'ai du mal à penser qu'on peut l'utiliser 2 fois par jour, pendant 2 mois. Mais bon, j'avais envie d'une brosse, éponge, quelque chose comme ça, pour me nettoyer le visage. Donc c'est cool, donc je vais l'essayer, on verra ce que ça donne. On va passer au livret et au prix de tous ces petits produits. Et du coup, on commence avec la petite éponge, donc c'est de la marque After Spa. On a du coup une pièce, mais quand on achète le produit, on en a deux. Pour 7,61€ sur le shop de Birchbox, c'est le prix abonné. On passe au masque Amika, le
Format vente fait 250 ml, là on en a 20, et le prix abonné est de 24,65€. Je vous mettrai le prix de vente quand même en bas et le prix abonné en haut. Ensuite, on a la crème Bioderma qui nous fait 45 ml. Le format vente en fait 75 et il est au prix de 6,38€ pour les abonnés. Ensuite, on a du coup le baume hydratant teinté lèvres et joues de chez Mathilde Cabana. C'est le full size, il fait 4 grammes. Et le prix abonné, c'est 6,80€. Voilà. Et pour terminer, la crème Polar, donc la crème nuit polaire de chez Polar. On a 25 ml, le format vente en fait 50. Et le prix abonné est de 36,47€. Voilà, donc c'est tout pour cette Birchbox du mois de février. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente. L'éponge, la crème corps et le masque qui est bien. La crème Polar, bon, je l'ai déjà essayée, mais on a toujours besoin d'une crème de nuit. Là, ma crème de nuit actuelle, c'est aussi une miniature. Donc, elle va pas me faire 50 ans. Voilà, donc c'était plutôt une box sympa. Je suis assez satisfaite. Je vous mets un petit lien de parrainage en bas. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à l'utiliser parce que je crois que c'est la meilleure formule parrainage qui existe. Si vous vous abonnez donc à Birchbox, c'est 13€ par mois, frais de port compris. Sans engagement, vous pouvez annuler votre abonnement le mois d'après, il n'y a aucun souci. Si vous passez par ce lien et que vous prenez votre abonnement par ce lien, vous gagnez 100 points, c'est-à-dire 10€ sur le shop, sans minimum d'achat. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que vous vous abonnez, vous prenez votre box et hop, 10€, vous avez un rouge à lèvres MAC à 9€, je sais pas combien ils sont, ou à 16€, à 6€, enfin... Voilà, ou alors moi j'ai acheté une fois avec mon lien de parrainage un pinceau à 10,36€ que j'ai payé 36 centimes. Voilà. Donc ça vaut énormément le coup, je vous laisse le lien, n'hésitez pas à l'utiliser. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez pas rater du coup les prochaines qui vont sortir, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !